Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, la suite des exercices sur le son 1. Premier exercice, marquez écrit le mot qui correspond à chaque dessin. Juste avant de commencer, pour vous dire que j'ai mis dans les devoirs sur Pronote qu'il y avait une petite erreur. Vous voyez ce C? Ils ont mis ce C pour rien du tout. En fait, il ne sert à rien, il faut le barrer. Voilà, voilà. Donc, ici, les trois mots ici, vous devez les écrire, tous vont contenir le son 1. Mais quand vous entendrez le son 1, il faudra écrire le 1-I-N. Pour ces trois mots-là, il faudra écrire le 1-I-M. Donc ici, on a un patin. Il faut écrire patin. Chaque petit point correspond à une lettre. Donc le mot patin s'écrit avec 5 lettres. Ici, vous devez écrire un moulin. Un moulin, ici. Là. C'est un chemin. Il faut écrire chemin. Donc dans cet exercice-là, un timbre. Un timbre. Et attention, le 1, on l'écrit IM dans ces trois mots-là. Et vous savez pourquoi il y a un M à la place du N? Parce qu'après le M, il y a la lettre B ou la lettre P. Quand il y a un B ou un P après le 1, il s'écrira avec un M. Donc, ici c'est un timbre, ici c'est une, donc je retire ce C là, il faudra écrire une timbale, ici le garçon, il grimpe, là le G, il faut le laisser, il est bon, il grimpe, voilà, donc on passe à la suite, donc les trois prochains mots, ce sont des mots, et le son 1 s'écrira A-I-N. Donc ici, c'est un poulain. Un poulain. Ma fille Jasmine m'a dit que ça ressemble à un chameau qui n'a pas de bosse. Eh ben non, c'est un jeune cheval. Donc c'est un poulain. Ici, c'est du pain. Ici, c'est un bain. Ce monsieur, qui nous montre, là, la flèche nous montre ce monsieur. Ce monsieur, donc là, faire attention, le 1, quand vous allez entendre 1, il faudra écrire E-I-N. C'est un peintre. Un peintre. Ici, les enfants, on nous montre de la peinture. Peinture. Ici, on a un dessin avec une flèche et c'est un tout petit objet qui se situe au niveau de la roue. C'est un frein. Frein. Fr et un frein. Voilà, les enfants. L'exercice suivant. L'exercice suivant. Donc, ici, ils ont marqué « Entoure les quatre noms d'animaux et réécris-les ». Entoure les quatre noms d'animaux et réécris-les. Donc ici, vous avez plein de mots qui sont collés. Dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, il va falloir essayer de trouver les mots. Et vous pouvez les séparer avec un petit trait. Exemple, regardez ici, il y a marqué « patin dindon ». Je sais que « patin », c'est un mot. Donc je vais mettre un petit trait, je vais le séparer. Et dindon, c'est un deuxième mot. Je vais séparer tous les mots d'abord. Donc premier, vous allez séparer tous les mots. Normalement, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En tout, vous devez trouver 8 mots. Et il y a 4 mots d'animaux. Les 4 mots d'animaux, il faut les entourer et les réécrire ici. Donc le conseil que je vous donne, d'abord, vous allez essayer de trouver les 8 mots qui sont cachés. Ils sont écrits dans l'ordre, les 8 mots. Dès que vous les trouvez, vous les séparez avec un trait. Et quand vous les avez séparés, à la fin, vous aurez les 8 mots. Vous allez trouver les 4 noms d'animaux et vous allez les entourer. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Donc, essayez de travailler seul dans un premier temps. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez après vous aider de la correction. Mais je sais que vous allez réussir, les enfants. Je vous souhaite un bon courage et j'espère à très bientôt.